7 et 8 juillet, la mairie de La Bouère et le dessinateur La Serpe ont organisé le 4e festival de dessin de presse et d'humour. Bon, comme le dessin de presse, c'est un métier quand même assez solitaire, quoi, où on est enfermé dans notre bureau toute la semaine. Là, ça nous permet d'échanger avec eux, de leur montrer ce qu'est notre travail, quoi. Bon, on parle des expositions, ils voient un peu mon dessin. Non, moi, j'ai rien. Ça va. La Serpe. Ouais. C'est ça qui est bien dans ce festival, on est proche des auteurs, on peut acheter des livres, se les faire dédicacer. On peut discuter avec eux, donc c'est bien, on les voit travailler en direct. C'est un peu l'objet du festival. La Serpe, Faujour, Soulcier, Goulesque, Pichon, Large, Aurel et Bess ont été invités pour cette édition. Chaque année, depuis la création, 4 nouveaux dessinateurs sont conviés. Pour l'année 2013, les organisateurs envisagent la venue du dessinateur Ituria et souhaitent organiser un spectacle le samedi soir. Les actualités politiques, ces gens, d'un coup de crayon et d'une phrase, ils arrivent à faire une analyse. Ils ont, c'est un art, quoi. C'est des gens exceptionnels. Ils sont dans la réalité de l'actualité et je crois aussi que c'est ce qui fait plaisir aux gens. Le festival draine chaque année un public plus nombreux qui n'hésite pas à faire des kilomètres pour venir découvrir cette petite commune situé au cœur de la Haute-Lande. Le but premier, c'est de faire connaître La Bouère, faire parler de La Bouère et animer La Bouère surtout. Bon, maintenant, tous les villages de l'entour se greffent, ils sont habitués, ils viennent aussi. Les gens sont agréables, on rencontre toutes sortes de classes sociales, de milieux différents, de gens qui viennent de loin. Là, tout à l'heure, je parlais avec un Palois qui est venu spécialement de Pau pour La Bouère, pour rencontrer les gens qu'il aime dans le dessin de presse. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est un festival qui prend de l'ampleur et qui va se développer et qui va faire venir des gens de loin aussi, quoi.